Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Airbus, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Si vous avez loupé l'info, il y a 3 jeux qui sont sortis dernièrement sur PlayStation VR 2, donc courant mars. En plus des jeux que j'avais déjà annoncés, malheureusement on n'a pas eu de com à ce sujet là, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous informer. Donc il y a 3 nouveaux jeux de dispo sur PSVR 2. Allez, on commence tout de suite avec Seeker My Shadow, qui est sorti le 17 mars au prix de 30€. C'est un jeu d'aventure épique et familial où on va pouvoir jouer à 1 ou 2 joueurs en coop. Comme je n'ai pas d'infos sur ce jeu-là, comme je n'ai pas pu le tester, je vous renvoie sur la vidéo de VR4Player qui ont pu faire une preview, donc qui ont pu tester le jeu, et ils vous en diront plus à ce sujet-là, comme ça vous pourrez vous faire votre idée avant de l'acheter. Alors juste pour info, le trailer que j'ai mis, il est en anglais, mais si on regarde le trailer sur le PS Store, il sera disponible en français, donc j'imagine que le jeu est traduit en français. Donc voilà, je le répète, mais je vous renvoie sur la vidéo de VR4Player pour plus d'informations. Le deuxième jeu qui est apparu incognito sur le PS Store, c'est Last Labyrinth, qui est au prix de 35€. C'est un escape game, donc puzzle réflexion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était disponible sur PSVR 1. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour les possesseurs de la version PSVR 1, bénéficieront d'une mise à jour gratuite sur PSVR 2. Malheureusement, je ne l'avais pas testé sur PSVR 1. Alors c'est un jeu qui m'intéresse tout de même, puisque les jeux de réflexion, de puzzle, réflexion, c'est vraiment un style de jeu que j'aime beaucoup. Alors actuellement, il est à 35€, donc j'attendrai une promo sur ce jeu pour pouvoir l'acheter et le tester, puisque j'ai déjà acheté pas mal de jeux dernièrement et le porte-monnaie dit non actuellement. Donc en tout cas, je vous renvoie sur la vidéo de VR4Player qui a fait une preview dernièrement, ou alors sur la vidéo de VR Singe Rhétorique qui a fait une vidéo sur ce jeu PSVR 2 également, comme ça vous aurez plus d'informations à ce sujet-là. Et on termine avec Galaxy Kart, qui est arrivé incognito également, il est au prix de 20€. C'est le studio Vermonkey qui est à l'origine du développement de ce jeu-là. Donc comme le nom l'indique, ça va être un jeu de karting, on va pouvoir jouer en ligne avec ses amis ou avec des inconnus. Ça a l'air fun, par contre c'est un jeu qui est en accès anticipé. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur la page Steam, accès anticipé, ça veut dire que le jeu n'est pas encore fini, qu'il y a risque d'y avoir des bugs. Donc, j'ai eu des retours comme quoi il y avait des bugs, que graphiquement il n'était pas au top. Donc si vous voulez un jeu fini, je vous invite à attendre qu'il y ait différentes mises à jour. Normalement je devrais recevoir la clé du jeu, donc je pourrais vous en dire plus à ce sujet là. Mais pour le moment voilà, si vous voulez un jeu fini, attendez un petit peu avant d'acheter. Par contre, si vous voulez aider le développeur à récolter des fonds pour qu'il puisse faire des mises à jour, puisque c'est un peu ça en fait le principe des jeux accès anticipé, ben vous pouvez bien entendu acheter le jeu.
Dans tous les cas, dès que je le recevrai, je ferai une vidéo et je vous dirai ce qu'il en est. Donc pour le moment, vous pouvez patienter. Donc voilà, pour ces trois jeux qui sont arrivés sur le PS Store incognito, ça fait du bien d'avoir trois nouveaux jeux sur PSVR 2 tout de même. J'avais annoncé ces sorties de jeux sur mon Twitter, donc si vous avez Twitter, rejoignez-moi, puisque des fois, j'annonce des choses plus rapidement sur Twitter que sur YouTube, puisque sur YouTube, il faut faire des vidéos, ça prend du temps, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces trois jeux, et on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos très bientôt. À bientôt les amis, ciao ciao.